You seem rather curious about this world. If you want, I can tell you about the past. About the history that others call. Even if the whole world's against us, no one shall lay their hands on the prairie as long as I stand. Only through the will of the stars do we find salvation. Rejoice in your humiliation. I present you with a sacred trial. Take note for future reference. This is what a perfect cut looks like. I'll finally be whole again. I am the rightful ruler of this land. Kneel before me. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Epic 7 et on va parler des annonces qui ont été faites lors de la fin du tournoi du E7WC. Donc on va parler des personnages annoncés, des fonctionnalités qui devraient arriver d'ici la fin de cette année. Donc bien sûr, avant d'aller plus loin, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à partager, à mettre un petit commentaire. Ce que vous pensez des annonces, qu'est-ce que vous attendez de cette fin d'année sur Epic 7, est-ce que vous êtes hype, et bien sûr, est-ce que vous aimez le skin d'Apocalypse Ravi qui sera montré un petit peu plus tard dans cette vidéo. Et enfin, si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner. Merci encore à tous et à toutes. Avant d'aller plus loin, je vous donne tout de suite le code pour avoir les 500 mystiques qui ont été annoncés lors de l'E7WC. Donc, vous avez seulement quelques jours pour aller sur le site que je vous mettrai en lien dans la description et y mettre le code. Donc, le code, c'est Epic Mystic Gift. Vous marquerez juste là, vous aurez toutes les informations dans la description. N'hésitez pas à le faire, c'est une multi qui est offerte, ce n'est pas rien. Donc on va parler des mises à jour et on va parler en fait dans les différents types de mises à jour. Je vais rester dans la même lignée que comme ça, je suis sûr que je ne me perdrai pas dans ce que je dis. Donc on va commencer par parler des améliorations de l'expérience du jeu, d'accord, qui seront rajoutées au fil du temps ou alors au 1er septembre. Je vous ferai un détail à la fin de vidéo. Et tout simplement, on va commencer par le fait de pouvoir faire du farming et en même temps de pouvoir faire d'autres types de contenus. Donc, c'est-à-dire que quand vous faites les chasses, les side stories, les farming de catalyseurs, les runes ou tout type de contenu que vous avez besoin de farmer, vous pourrez jouer en même temps aux autres différents contenus du jeu. Donc, c'est bien pas précisé autre contenu. Donc, normalement, la RTA, l'arène ainsi que les GVG devraient être disponibles en même temps que vous faites le farming. Ça, c'est une grosse mise à jour que beaucoup attendaient, d'accord, de pouvoir farmer et de faire d'autres types de contenu. Moi, en premier lieu, j'ai tellement hâte de pouvoir faire mon farming et en même temps de pouvoir lancer des matchs de RTA. On va rester dans l'amélioration de l'expérience du jeu. Il y a vraiment trois autres domaines qui seront en cours de route. Ça va arriver lors du quatrième trimestre. Déjà, ils vont améliorer les récompenses de l'épisode 1, d'accord, tout simplement en augmentant ou en diminuant la difficulté sur les niveaux. Il va aussi y avoir la réorganisation des épisodes secondaires et des side stories, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas forcément débloquer les side stories et ainsi de suite si vous n'avez pas débloqué des certaines conditions. Et enfin, ils vont aussi renouveler l'histoire non répertoriée, d'accord. Simplement, ils estiment que c'était assez chiant de pouvoir faire les 220 niveaux, pouvoir faire le bon farming de tous les catalyseurs. Donc, ils vont complètement remanier l'épilogue, d'accord, en raccourcissant les étapes et en modifiant les catalyseurs obtenus. Donc, nous allons avoir en fait tout simplement une mise à jour qui sera prévue pour le 1er septembre et c'est la bénédiction de héros. Tout simplement, vous allez pouvoir augmenter, upgrader un personnage que vous n'avez pas utilisé, que vous n'avez pas éveillé, etc. pour le mettre full éveil et plus 12 en termes de Molagora au niveau 60. Vous aurez plusieurs conditions pour le faire et ce sera qu'un seul héros à la fois. Donc du coup, les conditions, c'est déjà de terminer l'épisode 1, avoir terminé le 10-10, ensuite posséder 3 héros au niveau 50 pour avoir la deuxième condition, ensuite au niveau de la troisième, c'est avoir 3 personnages de niveau 60 et enfin posséder un héros RGB 5 stars et vous l'avez mis au niveau plus 15 en termes de Molagora. Ce qui va faire ensuite, c'est que le personnage que vous aurez béni, d'accord, le personnage que vous aurez choisi sera plus 12 en Mola ou l'éveil niveau 60.
vous ne pourrez faire qu'un seul personnage à la fois, je tiens à le préciser, et ne pourra pas participer à tous les types de contenus. Il ne pourra pas faire l'héritage, il ne pourra pas faire la guerre des titans, ni participer à l'arène défensive, il ne pourra pas être utilisé dans la team défensive en l'arène. Et comme je l'ai dit, vous pouvez le faire que sur un héros à la fois, et si vous changez de personnage, vous devrez attendre 3 jours pour pouvoir le faire sur le suivant. Il va y avoir un nouvel event permanent, donc pour les nouveaux joueurs ainsi que pour ceux qui reviennent, vous allez avoir différentes récompenses comme des Molagora, des Fantasmas et ainsi de suite. Et tout simplement, vous devrez terminer encore une fois des conditions comme terminer l'épisode 1, terminer l'épisode 2 et ainsi de suite. Et ça va vous permettre de terminer tout simplement, avoir le maximum de conditions pour avoir le dernier qui est plus 9 invocations et ce pour une durée de 7 jours, ce qui est vraiment excellent. Le plus beau, c'est que ce web event sera disponible à tous les joueurs tout simplement lors de son rajout, ce qui fait que pour les plus anciens et qui ont terminé toutes les conditions, nous allons avoir 7 jours d'invocation gratuite et donc du coup, optionnellement avoir des ML5 ou des RGB 5 étoiles. Et donc pour le web event du débutant, il y aura des mises à jour, c'est-à-dire qu'il y aura des buffs exclusifs, il y aura l'épisode 2 qui sera rajouté en termes de guide de débutant, d'accord, qui va arriver, mais simplement qui devrait arriver pour le 4e trimestre de cette année, et donc de pouvoir gagner plus de récompenses pour les nouveaux joueurs. Et enfin, l'autre modification, ça sera celle pour le destin lunaire à partir du 1er septembre. En effet, ils ont estimé que l'or Ligue 1 était assez compliqué à obtenir pour les nouveaux joueurs, et donc du coup, ça sera descendu à l'or 5. Pourquoi pas, ça, je pense que ça va aider vraiment certains qui ont eu du mal à atteindre ce cap en termes d'arène, d'accord. Et donc vous pourrez utiliser beaucoup plus rapidement les personnages lunaires 5 étoiles. En termes de nouveaux contenus, à partir du 1er septembre, on va pouvoir avoir accès au théâtre lunaire. Simplement, ce sont les histoires des personnages ML qui sont dans le jeu, d'accord. Donc, si vous avez les personnages en question dans les side stories, on va dire dans le théâtre lunaire, vous recevrez un ticket qui va vous permettre d'accéder à la side story, à l'histoire, et en la regardant, vous allez avoir en fait une récompense de 50 mystiques. Par contre, si vous n'avez pas le personnage ou alors que vous n'avez pas de ticket, vous pourrez avoir un ticket, mais tout ça en payant 500 000 gold pour avoir les 50 mystiques. Pourquoi pas, mais ça fait le double du prix tout simplement que dans le Reroll Shop. En termes d'autres contenus, et celui-là sera disponible à partir du 4e trimestre, il va y avoir le 3v3 en arène, et donc du coup ça sera un BO3, on peut dire ça comme ça. Tout simplement, vous devrez gagner 2 matchs sur 3 pour avoir le gain du match. Et tout simplement, ils vont aussi adapter les PNJ pour que ça soit de même sorte en 3v3. Un autre remaniement est prévu à partir du 4e trimestre, il s'agit du labyrinthe. Donc ils vont remanier la difficulté ainsi que les gears obtenus. Et tout simplement, ils vont aussi rajouter un autre labyrinthe en mode normal, pas en mode raid, d'accord. Et il s'agit de Meldrake. Donc on peut espérer que les récompenses seront adaptées au niveau 85, voire peut-être 88, je ne sais pas. Mais tout simplement avoir de meilleures récompenses à l'heure actuelle en mode normal. En termes de confort de jeu, il va y avoir des changements à partir de ce 1er septembre. Déjà, il va y avoir un petit bouton pour avoir les statistiques. Avant, je vous rappelle qu'il fallait appuyer au niveau des stats pour faire l'affichage, le désaffichage de ces informations-là. Maintenant, tout simplement, il va y avoir un petit bouton où on pourra mettre normal ou détaillé. Personnellement, ça ne me dérangeait pas plus que ça de cliquer. Mais au moins, voilà, on pourra avoir directement ce petit bouton-là pour avoir le détail des stats de personnages. L'interface des gears va aussi être changée. Il va y avoir un nouveau bouton. C'est tout simplement celui de pouvoir le rajouter dans le storage directement plutôt que d'aller dans l'interface, aller chercher directement le storage et de mettre l'item dessus. C'est un gain de temps non négligeable. Personnellement, je suis actuellement surpris. Alors ça, c'est un rajout accessoire, mais personnellement, je suis très content de ce rajout. C'est prévu pour le 4e trimestre. On va pouvoir faire 3 changements de salon différents, d'accord. Donc ça va changer le lieu, ça va changer l'emplacement des personnages. Et personnellement, ça va faire vraiment du bien du jeu de pouvoir accéder dans un nouveau salon, tout simplement pour pouvoir changer un petit peu le visuel de l'accueil du jeu. Il sera aussi possible de mettre une illustration du jeu directement comme salon, comme un fond d'écran, on va dire ça comme ça, plutôt qu'un salon dans un lieu défini. C'est pas plus mal, mais personnellement, j'ai vraiment hâte de voir les différents salons. Pour fêter du coup les 4 ans d'Epic Seven, il va y avoir 15 jours de récompenses journaliers et ça va aller avec des sommes astronomiques. Là, je vous dis tout simplement, le 3e jour, vous avez 44 livres. En termes de mystique, vous avez 500 livres qui sera obtenable, 450 pardon, donc c'est vraiment énorme. Vous allez aussi avoir des catalyseurs. Là, vous avez 10 coffres de catalyseurs rares et 5 coffres de catalyseurs épiques. Donc franchement, avec la collab et les personnages qui arrivent,
C'est vraiment excellent et j'ai surtout hâte d'avoir les mystiques pour pouvoir invoquer sur ML Pavel. Et donc c'est le moment de faire un petit récap de ce qui va arriver prochainement. Donc à partir du 1er septembre, vous allez avoir la bénédiction de croissance, l'événement de l'aventure, d'accord, la réduction de la difficulté sur le dessin lunaire au niveau de l'arène, donc de or 1, on est passé à or 4. Ensuite, vous avez à voir l'événement des 15 jours avec les récompenses qu'on a parlé. Au niveau de termes de contenu, on va avoir le théâtre lunaire. Et en termes d'interface, il va y avoir l'interface des héros, donc le bouton ainsi que des gears. Au niveau du quatrième trimestre, qu'est-ce qu'on va avoir? La fonction de répétition de diminution du farming et de pouvoir faire d'autres contenus. L'amélioration des récompenses des régions. La réorganisation des side stories. Ensuite, vous allez avoir l'événement de soutien et de croissance de héros. Ensuite, l'expansion des guides débutants, donc le rajout de l'épisode 2. En contenu pour le quatrième trimestre, vous allez avoir le 3v3 en arène, la réorganisation du labyrinthe. Et ensuite, pour le confort des yeux et du jeu, vous allez avoir trois nouveaux types de salons et la possibilité de mettre un fond d'écran. Donc, nous avons l'annonce, nous avons le teasing de ML Ray. Donc là, ça me paraît peu probable que ce soit un autre personnage, tout simplement parce qu'il y a le masque, d'accord? Et que, bon, pour pas avoir un autre Zahagbis comparé à l'année dernière. Donc là, on a le masque, etc. Et donc, du coup, on aurait un ML Ray Dark. Sûrement Tisseur d'âme, mais encore là, je m'avance de trop. Je préfère rester très prudent. Mais voilà, ML Ray a été annoncé. Nous avons aussi eu le teasing de ML Elena. Tout simplement, elle balancerait des comèdes. Alors, je ne suis pas vraiment sûr qu'elle pourrait soigner. Mais en tout cas, rien qu'à voir le skin et le chara-design, personnellement, j'adore. J'ai hâte de pouvoir l'invoquer. On a eu quelques teasings aussi de son animation. C'est celle que vous avez vue en début de vidéo. Et enfin, nous avons la révélation du skin d'Apocalypse Ravi. Donc, tout simplement, si vous êtes de rang maître ou supérieur au RTA à la fin de la saison, vous pourrez avoir le skin d'Apocalypse Ravi que je trouve absolument magnifique. Personnellement, je crois que c'est un des meilleurs skins avec Dread Arbit. Très sincèrement, je pense que c'est un des meilleurs skins à l'heure actuelle. Donc vraiment très très hypé qu'il puisse sortir et qu'on puisse lui. Et nous avons eu aussi l'aperçu de la version d'évolution d'Arowell. Alors tout simplement, Arowell a eu un buff récemment, d'accord, mais il lui manquait quelques trucs et je suis quasiment sûr et certain que sa version d'évolution sera littéralement aussi bonne que certains personnages 5 stars, vu déjà la base qu'elle a. Donc je suis très hype, je vous avouerai, je suis très hype et très 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 impatient de voir son futur kit une fois évolué et j'ai hâte de pouvoir l'utiliser. Et enfin, nous avons aussi la dernière révélation sur Adin, qui est sa version light si je m'abuse, et qui encore une fois qui est vraiment magnifique, version robe de soirée, etc., robe de mariée. Personnellement, j'adore, et si elle est utilisable en RTA, je pense que je ferai l'effort, parce que là, actuellement, la mienne est toujours version verte, d'accord. Je pense que je ferai vraiment l'effort de la mettre en version ML Lite et pouvoir l'utiliser, que ce soit en PVP ou en RTA. Nous avons ce personnage, je crois que c'est Rio, si je me souviens bien, ou Rizo. N'hésitez pas à le mettre en commentaire si je me trompe, mais j'ai l'impression que ce personnage sera le grand méchant de la story. Et tout simplement que ça va être le boss à affronter, pour voir. Donc on ne sait pas encore si c'est un version ML ou un version RGB. Je dirais que ce serait un RGB mais qui sera obtenable plus tard. À voir, parce qu'il y a d'autres personnages qui devraient sortir en version ML. Donc je pense que ce personnage là sera aussi une version RGB. Mais à savoir comment il va être, je ne pourrais absolument pas vous dire. Si vous avez des théories ou des hypothèses, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc normalement je n'ai rien oublié, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi personnellement, pour tout ce qui nous attend, je suis vraiment très hype. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de ces rajouts. Qu'est-ce que vous avez pensé de la E7WC? Est-ce que le gagnant pour vous est justifié ou pas? Je ne mettrai pas le gagnant tout simplement parce que pour pas vous spoiler, je ne sais pas si vous allez revisionner et tout ça. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire, je compte sur vous pour pas faire de spoilers. Donc du coup, moi, je suis très hype de ce qui va arriver. ML Elena, ML Ray, les nouveaux personnages. Simplement, j'ai qu'une seule envie, c'est d'être le plus rapidement possible à la date de sortie et pouvoir les utiliser et les tester. Sur ce, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que je n'ai rien oublié. On vous donne rendez-vous très bientôt. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager. C'était Cicas pour vous servir. Et ciao.